wabasango kamatango wabasango zaleo Mokenge yoben posonga mokuwa toko wele la nini magazine d'actualité RDC Basango eza wana pona ko informer bana ya Congo démocratique union so bino obozuli bakomala mukolo na biso na matadi na boma na matadi kibala pe na ville province ya Kinshasa ezali ko sala nga sai na motema na tombeli bino be bolanzi bola Toko fungula magazine d'actualité ya RDC Wabasango na 6e conseil des ministres ya gouvernement soumis na oyo président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo animaki bandeko nanga bolingo asilaki bongo pesa ordre na ministre ya justice ministre ya intérieur pe ministre ya défense balandela makambongo kitoko po sécurité ezala na ba ville nyonso ya République démocratique du Congo po ba constater insécurité et koti makasi ministre ya communication et médias porte-parole du gouvernement mwana mboka Patrick Muyaya azala zala asala ki compte rendu boye tolanda obolayi na souci na ye ya komuna kimia na République démocratique nyonso en tant que garant du bon fonctionnement des institutions mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République a beta ki sete na mesa na 6e conseil des ministres oyo esalemaki mokolo ya lobi vendredi na cité de l'Union africaine Et si Kawapi, mwana mboka, président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apesa kibongo mitindo na ministre ya intérieur, ministre ya défense, pe ministre ya justice, basa la nyonso na ba prérogative na bango, pwete kimia ezala na ba ville nyonso ya République démocratique du Congo, oyo ba constate, mwa mbilinga mbilinga ezali, pe Ba dongolo miso tope ba sasen batali ko sala makambu ya biente. Mwana mboka Patrick Muyaya oyo azali ministre ya communication et media. Molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique aloba kiboye liboso ya magazine d'actualité RDC Wabasango. Compte rendu de la 6e réunion du conseil de ministres. Le président de la République chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A présidé ce vendredi 19 juillet 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 6e réunion du gouvernement dirigée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5 enfin, examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Des dispositions à prendre pour accentuer la lutte contre la criminalité urbaine. Le président de la République est préoccupé par la recrudescence de la criminalité dans plusieurs villes de notre pays, mettant ainsi en péril les vies humaines et perturbant la vie sociale et économique de la population. Parmi les villes les plus touchées, il y a principalement la ville-province de Kinshasa et ses axes environnants, Lubumbashi, Kolwezi, Bunia, Goma, Beni, Butembo et Kisangani. Il se développe dans ces villes un banditisme urbain avec le phénomène Kuluna allant jusqu'à l'affrontement des gangs dans les communes et quartiers résidentiels, des cas de plus en plus élevés de vols à main armée, d'extorsion, de braquage de cambistes, d'enlèvements ou d'assassinats ciblés, sans oublier plusieurs actes de délinquance juvénile.
Boyende ezalaka longonia nankumu ya ekolo Congo démocratique monamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali toujours na souci ya peuple na ye pe gouvernement Judith Suminwa Louidie toujours na mambi ya kotia sécurité na ba ville ya République démocratique du Congo nyonso le général Blaise Kilimbalimba ozali kokumbela la pulusu ya ville province ya Kinshasa ye asi ya bandi deja mosala ya kotia ordre na ba balabala ndeko mobali ndeko mwasi balobi soki oza na ba pete na yo tope ozali ministre ozali kobuka mibeko ya leta na balabala yebaka ke bako kanga yo na mutuka na yo tolanda ba image ya Hervé Ngoyi obolaye ko respecte mibeko ya République démocratique du Congo ezali devoir ya citoyen congolais nyonso général Blaise Kilimbalimba mokonzi ya la pulusu ya ville province ya Kinshasa azali ko faire respecte mibeko ya nzela na ba balabala nyonso ya ville province ya Kinshasa. Bande kolanga bolingo boyebaka ke série na ye ya contrôle pe arrestation ya mituka o ezali ko respecter code de la route te ezali ko koba. Mon général Blaise Kilimbalimba elongo na la pulusu pe ba colonel Mususu ndenge kaka bozali komona awa na balabala bakangi même ozala ministre député nationaux député provinciaux, ongai muta mibeko o respecte code de la route te yebaka ke okokutana na Blaise Kilimbalimba oyo ado faire respecter mibeko ya nzela ya République démocratique du Congo. Sima ya contrôle tomoni ete soki kaka kinwa ato si mobeko ya nzela embouteillage et kozalate. Ralentissement et koki kozala. Mais embouteillage et kozalate. Talaba de tozongi si. Aolia kende mbangu, tozongi si en a 3 km. Ake ko balouk. Presse nyo chazala ki nango et sili. A monike, so ki comportement na ezaki ya bolamu, mele atamboli, tala eko le kasiko si ma ya batu nyos, yem chazala ki liboso. Tango zali ko tosa code de la route te okokoma liboso o bloquer batu nyonso alors ezali comportement ya malamu pezati yo ko finika bash ozali na plaque na normal tala ndenge tozali ko bundana insécurité ya koyiba ba chauffeur mito bazali ko utiliser ba plaque ya mabe tika plaque na yo ba mona yango po to mona ke plaque na yo za ya malamu soki ofiniki yango to considérer ozali criminel ndeto za kokanga ngo ekoti na fourrière et ezali saisi moko conservatoire et miboko nde ko laksa biso ndenge nini ya ko procéder si bana la police fait face à tout et loko ekokoka ba service sécurité ezali te tozali déployer to déployer pour na ko décourager mutu nyonso tozali komona ke bato si pe bandiko tosi Okanga, Mokonza Zakaka Moko, Boye, Aza Félix Tshisekedi Tshilombo, Boye, Aza la ministre à la deuxième bande, Boye, Bakanga ye, Aza la ministre à la peuple, na Lokuta, Okanga, Mokonza Zakaka Moko, Moki Fosonga Nanzela, Tobunda qui pone état de droit, Ezako Tosa Mipeko, Oya Sewana Yanzela. Amboutillage équitant, Congolais, on a aussi la moussala nan nan nengese et sengeli. Biso tozalaka ba ministre, tozalaka deuxième bande te. Tozalaka ba konziamboka, to respectaka, policier nanzela, kulani, pem nanzela, moutunyo sosa la moussala l'état to to saye. Ba soda o ba tien nanzela, ba kanga moutunyo so, o aza kosa la trafic d'influence. Aza la conseil chef de l'état, bostel misamoutuka, bo kanga. Il n'y a que l'ambulance, il n'y a que l'ambulance et le président de la République. Bon, bah, ça la priorité à Nzela. Nous avons une deuxième bande, une troisième bande, quatrième bande. Arrêtez-le! Ne traînez pas! Oui, sans cynique, Bokanga! Il n'y a que l'ambulance et le chef de l'État qui peut faire ça. Batunyo Soana, arrêtez-le! Boyende ezala kalongonia na général Blaise Kilimbalimba na mosala ki toko ozali ko sala po. Mibeko ezala respecté et sengeli bakonzi bango moko ba respecté yango ndenge kaka ba chauffeur mususu balobaki po petit peuple
à respecter le code de la route. Boyende Ezalaka. Bon boulot, mon général. Général Silvano Kasongo oyo azali kokamba la pulusu kuna na province ya Kasai a présenté ki nouveau gouverneur ya province ya Kasai mwana mboka Crispin Mukendi elongo na vice na ye ezalaki liboso ya la pulusu pe FRDC obazomi na entité na ye tolanda bolayi bo basango. Ezalaki putulu emata makala matika la se na province ya Kasai esika wapi General Silvano Kasongo a présenté ki nouveau gouverneur ya province wana Crispin Mukendi liboso ya ba policier pe FRDC oyo bazali na province ya Kasai précisément na Chikapa. Bande konanga bolingo kaka ndenge bozali komona na ba image awa. Le général Silvano abandaka activité na yete parade banda ki pe a présenté ki mokonzi na bango, c'est-à-dire numéro 1 ya province ya Kasai Mobimba oyo azali kokamba bango représentant ya chef de l'État et sengeli komemia ye na ba directif nyonso politique akopesa na la plusu pe na FRDC. Liboso ya magazine d'actualité RDC wa basango tomolanda mo général. Et puis constitution le bikaka soke toke na article 17 ya constitution le biwe. La liberté individuelle est garantie. La détention l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Population azali na liberté na ye oyo constitution pécier liberté individuelle. Et les gens urbains, azali content pour la dengue lingi, azali tous amis beko. A content pour 24 heures et 24 heures. Oui, mais voilà, tu as gâché, voilà, ici là. La ligne de l'autre, c'est quand ici, c'est pour ça la prison auditée, à ça, à ça, là, pour ça collaborer très bien. Bino, la carte de la Bino, là, Botica, disait les Mabéon. Il n'y a que des bottes de sa population, il n'y a que des Poyiba, Koboto, là, confouillé. Ce que vous avez suspect, on t'a lié, on t'a lié, on t'a lié, à ça, à l'autre côté, bon, chef, ça va. Ce que ça la quitte. Mais maintenant, on t'a comme, hein, deux mots, hein. Boyende ezalaka magazine d'actualité ya RDC et pesika kalongo ni ape félicitations na mosala kitoko oyo général Silvano Kasongo adali ko sala na province ya Kasai précisément na Chikapa à Thierville kimia ya kosakana te pe nouveau gouverneur Crispin adali ko sepela na mosala kitoko oyo général Kasongo adali ko sala, c'est-à-dire ba ko sala mosala kitoko po na intérêt à peuple congolais. Je sais que la difficulté est arrive dans la conscience. Mais présentée par son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, avec le Bimba pour améliorer ma condition à Moussa à la Bimba. Mais il y a un pour que n'a exécuté vision à eux. Il faut tenir là pour que deux à la malade et beaucoup à la malade. Beaucoup de la malade. Mais, il faut que le bisou, quelles que soient les conditions, il faut que ça soit le salam, selon le bon convoca. Petit à petit, nous avons le conabiso. Et nous avons le conabiso. Et nous avons le conabiso. Et lui dit. Tokozonga na ville province ya Kinshasa pour na kolobela activité ya président ya assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe professeur ayamba kibongo na bureau na ya musala représentante ya haute commission ko commissariat pour les réfugiés ya Nations Unies awa na République démocratique du Congo esika wapi basolola ki mingi mingi pona mambi matali ba réfugiés ya République démocratique du Congo pe ba oyo bazali libanda ya mboka tolanda reportage ya Erving Goy. Na bopikiliki na ye mwana mboka Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale
ayambaki na bureau na ye ya mosala représentante ya au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo, madame Angèle Dikonge Atangana oyo basolola kina ye mingi mingi na mambi matali ba réfugiés ya République démocratique du Congo. Maman Angèle Dikonge a expliqué que na speaker ya Assemblée nationale les professeurs docteur Vital Kamere ndenge nini ba loi mususu oyo ba proposa ki depuis 2015 ezali en souffrance na Assemblée nationale. Na ngambu na ye les pacificateurs Vital Kamere a pesa ki ya noke ba ko travailler na ba député nyonso na bopikiliki pour na ko régulariser ba loi ou les alliés qui protégeaient les réfugiés en République démocratique du Congo, topé ba Oyobaza, Libanda ya Mboka. A Zongela Kilisusu, Madame Angèle, Namambi Matali, respect et accord ya convention Oyo, République démocratique du Congo et Sinyaki, na Uganda, na Kampala. J'ai rappelé sur la table à l'attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale les questions qui concernent l'OHCR et cette auguste assemblée. La toute première doléance, c'est l'accession aux conventions de lutte contre l'apatridie. Ce serait hautement utile pour le Congo, la RDC, de accéder à ces deux conventions-là, quand on sait que le Congo compte près de plus de 7,3 millions de déplacés internes et plus de 1,5 million de réfugiés, dont parfois le statut est un peu flou et peut prêter à des situations d'apatridie. Et nous avons également demandé de pouvoir considérer l'internalisation de la Convention de Kampala de 2009, à laquelle la RDC a accédé sur les personnes déplacées, mais il n'y a pas d'internalisation. Donc il y a un projet de loi qui existe depuis 2015, nous souhaiterions que il nous aide à pousser ce projet de loi du côté gouvernement, le bras exécutif de ce pays, pour que ce projet-là arrive à la table de l'Assemblée nationale pour une adoption. Et ensuite, nous lui avons demandé de pouvoir inscrire à l'ordre du jour de l'auguste Assemblée nationale la proposition de loi portant sur la révision du code de la nationalité, du code de la famille congolaise, parce que ce faisant, il y aura une clarification, une clarté sur l'identification et des Congolais et des réfugiés et des apatrides éventuels et de toutes les personnes qui doivent être identifiées avec un code unique. Justice Yangonde et Tombolaka Ekolo Mwanamboka Constant Mutamba, ministre de la Justice, Pe Gardeso. La République démocratique du Congo a zali ko continue toujours. Na consultation populaire na ye oyo mwana mboka Eliezer Ntambwe, élu ya Lukunga, député national a initié ki bana République démocratique e belé bayaki na badoléance na bango na bato makasi oyo babotula bango ba parcelle bazali ko lela boye tolanda ba image ya Hervé Ngoyi obolai. Justice Yangonde etombolaka ekolo mwana mboka Constant Mutamba, ministre ya Justice pe garde sceau ya République démocratique du Congo, elongona Eliezer Ntambwe, député national élu ya Lukunga, oyo a initié ki consultation populaire, c'est-à-dire koyoka bana ya République démocratique du Congo oyo bazali na ba conflit parcellaire na batu oyo baleka bango na mbongo tope ba ministre ba botola o général a botola o gouverneur a botola justice et sala musala na ngote mwana mboka Constant Mutamba lobi akosala musala yenge bene na vision ya chef de l'état oyo alingi justice ezala c'est-à-dire kotosa mibeko bandeko nanga bolingo peuple congolais ayakate aye abandi ko expliquer moko na moko kana ye ndenge nini babotola kilupangu na ye kombo nanga monsieur Guy Mkwenga Bazola naza parmi ba héritier ya défunt papa Nkazi Bazola Mkwenga oyo uti kokufa le 4 octobre 2022
Alors, mobile et loco mimi biso awa et pas à son excellence monsieur le ministre d'État, il y a justice. Et ça que tous un problème, il y a expoliation, il y a parcelle nabiso, il y a de cela maintenant 22 ans. Par l'ancien secrétaire général à ministère il y a sport, à l'occurrence monsieur Okito Barthélémy. Parcelle nabiso et ça 6 avenue Tombola, numéro 3 dans quartier Mouchi CPA, localité Yamboudi. D'emblée, parcelle ouana et ça la camisa touté. Et Ali Moko, régi par un certificat d'enregistrement numéro 53 94 à ma 15 folio 42. Il y a le 21 décembre 1993. Il y a azana document il y a 2002. Document o yazana ngo ezo porté combo ya village na biso. Parce que biso ne toi qui ba premier occupant. Il y a parce il y a venu wana d'où papa a joué que autorisation na l'état a pesi ngo combo. Il y a un cannabis. Vous voyez? Alors, le col a un pouvoir, il y a Kabila, comme membre, il y a PPRD. Papa, maladif, déjà au début, moyen à Sambana et Zala quitter. Voit même que papa Nabiso a été arrêté. Enlevé et arrêté, sorti naïe. Ne papa Banda maladie depuis 2002. Si moko yaba cause et ma papa Nabiso na liwa. Nde yangwana na 2022. Alors, tous les cinq ans, le ministre a rétabli Bissot, n'a pas droit à Bissot. Ngai, comme on a dit, madame Nadine, le problème est que je suis en train de la terre jaune. Le prince, papa, Ningezawana, Lupango, Babotolanga Yango, mais je suis en jugement de Maboko, jugement et appel. Si vous tant que vous avez en cours de cassation, vous êtes en retard. Vous mettez un côté ici, un document, un classement définitif, un document de cours de cassation, parce que vous êtes en retard. Mais vous avez un moyen de vous faire tripoter, vous avez un document de la requête. Tant que vous avez une requête, vous avez un graphe qui est en retard. Bango ba koma ki rete il faut toujours réponse ba pesi biso réponse te na grave ba koma ko balola biso ti lelo papa deza yango jijima banda 2022 ti lelo solution zo maraka kate lupango na prince na minute ba tongi magazin ya munene ndi na zo ba babandia ba oteka na kati solution ezati ndana ko tela ngali kambo yango lokola to yebike papa mutamba komi deja place wana ye ministre de justice akomi ko bundela biso peuple na makambu na biso na ye liboso na ye ayoka mawa ko tela kambu nanga azula nga solution na zoa réponse na cour de cassation na récupérer lupango nanga. Merci beaucoup, nous sommes les plus heureux. Parce que notre souci, c'est d'aider nos paisibles citoyens pour qu'ils se retrouvent dans leurs droits, comme Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, de la Justice et des Gardes des Sceaux, vient d'annoncer la très bonne nouvelle selon laquelle, à partir de demain, il y aura des mesures qui seront prises pour que certains citoyens retrouvent leurs droits. Je crois que tout le monde ne va pas retrouver ses droits le même jour. On va les faire petit à petit jusqu'à ce que chaque Congolais retrouve au moins son droit qu'il a perdu. Oui, le pacte, il est très positif parce que vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des cas qui se multiplient. Et les premiers jours, c'était un nombre quand même un peu réduit. Les deuxièmes jours, ça s'est augmenté. Aujourd'hui, même les chaises étaient insuffisantes. Les gens étaient obligés de se mettre même sur la terre. Et donc, peut-être les prochains jours, on va changer les cadres parce qu'il y a des gens qui viennent de Matadi, les autres viennent de Maindombe, et il y a aussi certaines personnes qui viennent de Kisangani, de Tshikapa. Donc, toute la République commence à descendre à Kinshasa pour avoir la parole, échanger avec les ministres. Nous sommes également très contents de la disponibilité du ministre parce que tout le monde n'est pas comme lui. Lui au moins, il est là pour patienter, écouter chaque Congolais pour que chaque Congolais obtienne une solution à son problème. Ministre de la Justice, Yepe Alobi et Atelemi Nabopikili Kinyonso pour na kozongi sabo sembo na République démocratique du Congo. Constant Mutamba. Les gens qui viennent vers nous sont nos rois. Nous avons été nommés par le chef de l'État, Son Excellence Félix Tshisekedi,
non pas pour se servir, mais pour servir. Boyindi ezalaka peuple congolais bazali kotalela yo mwana mboka Constant Mutamba pe Eliezer Ntambwe na mosala oyo bozwi résultat nde ezali ko konté pona peuple congolais. Mwana mboka Eliezer Ntambwe président ya Action Commune pour la République parti oyo ezali mieux implanté na République démocratique du Congo na ba continent nyonso ya mokili mobimba azalaki lelo liboso ya ba sympathisants pe ba cadre ya parti na ye pona kolobela mambi matali constitution na biso est-ce que esengeli ba changer yango to pété réponse na élément oyo ya Erwin Goy. Mwana mboka Eliezer Ntambwe président ya parti politique mieux implanté na monde mobimba Action Commune pour la République azalaki liboso ya ba cadre pe ba membre ya parti na ye pe liboso ba congolais pona ko expliquer bango constitution na biso ezali prête à porter et sengeli to modifier yango pour na intérêt suprême ya nation pambate nyonso oto zali ko sala toujours na constitution oyo bamba tonga ezali ko simba soko mokete boyo kaye liboso magazine d'actualité RDC wa basango tu sais donc la société civile en Afrique bazo faire jouer bango rôle ya opposition qui va en contradiction d'un côté vous voulez la démocratie de l'autre côté au limite kabusu. Mais aussi, dans la difficulté de Zana, on a beaucoup de gens qui vont réviser la constitution. Révision de la constitution. Tu as un mandat il y a 4 ans ou il y a 5 ans dans ce pays. Okay? Quand un chef de l'État passe, quand on ne va pas composer le gouvernement à Bassalaboye, le chef de l'État a pris 6 mois, n'est-ce pas, pour mettre en place. Est-ce que tu as 5 ans? Donc, on a 4 ans quelques mois. Dans le Tiwana, Bassala va réunir les prises, Bassala va nommer une entreprise publique et tout ça dans une année. Dans le Tiwana, il y a une année, il y a 4 ans. Bon, tant que vous ne pouvez pas travailler, bon, on va trouver ça la bien, il faut tout changer. Remaniement, il y a pour ça de m'appeler une année. Au Tiwana, il y a 3 ans. Dans les 3 ans, il faut préparer parce que. Olingi o voyage o kende mikili ya poto o kende États-Unis d'Amérique o kende kotanga na Canada bande kolanga bolingo tozali na agence moko Opelwell eza wana pona bino nyonso na moindre coût o voyage bondeke tomolanda bana bete bosso ba mukongwa mungana ka Opelwell multi service bureau lekela différence de ma agence mi ko abo ya yaban give jimu so kono ambila ne ela y confiance que je vois pour le multi service hein bureau ye tu ya qualité service ya qualité assistance ya qualité leke la ko ela confiance que je bimbi hein ma agence diabu ni muchi sasa mul bumbashi muka na nga mumbujimai mais opo wel multi service numéro 1 na chapa chinois pour bino bamba ni ono opo wel shinchi kufu ta shi shi ta sofo mi tu kengera ko confiance que je opo wel opo wel sérieuxité tu dit en bagage bolile ki lele ki ya mingi na ba escroquerie nyonso bozo na makambo ya ba voyage botala agence open one solution pour na bino surtout bino ba finaliste oyo bolingi bokende ko tanga na mikili ya poto to pe ba parents oyo bolingi bokende mwa vacances mwa ko pema na mikili ya poto Openwell eza pona ko accompagner bino tinati. Awa basok nyonso ya ba visa ezali medical, tourisme, d'études pe bongo na bongo. Boya ebele awa na Openwell po kotoyo e ratakate. Boko zala desu ata soki mokete po awa na Openwell to travaya kande na ba partenaire ya sur. Nous sommes Openwell Multiservice, une agence de voyage situé sur l'avenue du Lire, au numéro 175 bis, quartier Golf, dans la commune de La Gombée. Référence restaurant WhatsApp, dans l'immeuble résidence Pauline, au 6e niveau, local 602. Pour plus de détails, joignez-nous au 082 19 57 156
ou au 099 28 55 647. Avec nous, partez l'esprit tranquille et faites de vos déplacements une expérience exceptionnelle. Olingi Oyekola Informatique, anglais, alphabétisation, administration, réseau, c'est Contech à Fongoli ba porte naye pour na Congolais nyonso alingi à apprendre. Tomo potomba. Papa, maman, belenge mwasi, elenge mobali, olingi oyekola informatique, anglais, alphabétisation, administration, réseau, olingi oyekola kokumba mutuka kitoko, centre de spécialisation en communication et nouvelles technologies au Congo, c'est Contech en sigle, afongoli ba porte naye pour na moto nyoso, yokantango, na 1000 francs ya pamba, koma itil na kati ya société, yekola informatique, oba na kobeta machine da pe oye kola kokumba mutuka kitoko na moindre coût. Okotuna biso Secontech azomi wapi? Centre de spécialisation en communication et nouvelles technologies au Congo azomi na croisement des avenues 24 pe Mandarinier, juste en face ya Ipeki na commune ya Gombe. Okomona deux centres ya Secontech ezali wana kota ozoba information kitoko na commune ya Ngaliema tozomi en diagonale na centre EDAP. Okomona Secontech azali wana esika nini bazali kopesa batu formation na ba condition elongo bani ebongo na Victoire bandeko nanga bolingo, centre de formation Secontech azali wana azali kopesa ba cours na ndenge moko kosakana te ebongo na Mokamba mwana mboka Jules Milambo atiki bana Congo démocratique soko mokete. Centre mususu azali juste en face ya église la résurrection okokutana na Secontech ezali wana ebongo na Changu tozwami na croisement des avenues boulevard Lumumba na Mayantanga okokutana na Secontech azali wana bandeko nanga bolingo. Centre kaka moko ozali ko former bana République démocratique du Congo na 1000 francs congolais ya pamba olingi okoma itil na kata société potomba ngu na Secontech. Kosili sa magazine d'actualité ya RDC Wabasango na ba communiqué nécrologique. Communiqué nécrologique. La famille Kikoka a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, les ressortissants des Kimvula dans le Congo central, les décès de l'honorable député national honoraire et premier avocat général près de la Cour de cassation, Monsieur Kikoka Tony Guetoni. Décès survenu ce samedi 13 juillet 2024 à Bruxelles. Les programmes des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Repose en paix Tony Kikoka, le grand golo de Kimvula. Communiqué nécrologique. La famille Ngoi bazali na mawa ya koyebisa na bandeko pe bayebani na bango liwa ya papa, oncle, koko na kombo ya José Ngoi oyo azalaki capitaine ya masuwa ya Onatra asilaki bongo kokufa depuis mokolo ya lobi vendredi 19 juillet 2024. En attendant, programme Ebima, tokope sabino yango kaka à travers magazine Wabasango. Na yango magazine d'actualité RDC Wabasango, ezali ko partager mawa na libota Ngoi oyo babungisi moko na bango ya motuya tika ete molimo na ye mopema na kimia. Ya solo esila kate esili magazine d'actualité RDC Wabasango esala kinga oben sayi na motema na bino nyonso boselengo na ki. Baike pona kwa nabiso na ville province ya Kinshasa, na Bandundu, na Kwilu, pe na Kwango, mutika la malamu, o mabota abino. Libaramu.